Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour un nouveau retour de course. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Donc c'est parti, les menus comme d'habitude. Alors lundi c'est normalement aubergine farcie au thon avec du riz. A voir si je fais vraiment ça, je sais pas, on verra. Ensuite le soir c'est poêlé de pommes de terre, lardons, salade et cancoyote. C'est un truc qu'on adore avec le chat, ça c'est un de nos repas préférés on va dire. Ensuite, le mardi, donc c'est tarte aux légumes le midi et le soir, c'est friand à la viande. Mercredi, c'est pâte au saumon avec de courgettes. Le soir, c'est une salade d'endives, noix et comté. Le jeudi, c'est crevettes marinées du riz avec des haricots verts plats. Le soir, c'est briochettes au thon. Le vendredi, c'est poulet paprika maison avec purée de pommes de terre et purée de carottes. Ensuite, le soir, c'est une tortille calzone. Le samedi, c'est salade de pâtes aux noisettes. Le soir, c'est crêpe, fromage, salade verte. Le dimanche midi, c'est le reste de salade de pâtes aux noisettes. Tout simplement. Donc, on va passer aux courses maintenant. Donc, ça va être un petit retour de course parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai oublié d'aller vous chercher la purée de carottes surgelée. C'est la marque Bio Village, marque repère. Je vous avais déjà présenté une fois, il me semble. Donc, je vais vous présenter le reste. Donc en frais, en fromage, j'ai d'abord pris de la cancoyote nature, comme ceci. Nos régions ont du talent. Elle est juste trop bonne celle-là. Donc vous pouvez la faire, vous pouvez la manger chaude ou froide. Moi je pense que je la ferai chaude. Ouais, je la ferai chaude. Ce sera meilleur sur les petites pommes de terre rissolées à la poêle avec un petit peu de lardon. Je crois que j'ai oublié de racheter des lardons. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris un petit paquet de gruyère pour aller avec les pâtes. Il m'en reste encore, mais ça d'avance, c'est très bien. J'ai pris du comté pour aller avec la salade d'endives, comté et noix. Voilà, je rajouterai peut-être une pomme avec parce que c'est très bon. Ensuite, j'ai pris une mozzarella. Donc, c'est la Casa Azzurra. Je vous avais déjà montré. Donc, j'en ai pris une, voilà, tout simplement. Pour aller. Eh bien, je ne sais plus avec quoi. J'ai pris un mélange de dés mimolette et edam pour la salade pâte noisette. Voilà, j'ai pris celle-ci. J'avais déjà pris le au cumin. Il me semble que c'était très bon. Donc du coup, j'avais pris celle-ci pour goûter. C'était tout pour les fromages. Mais ça, j'ai vraiment pas pris grand-chose. Bref, j'ai pris du bacon, tout simplement. J'ai pris des allumettes de saumon, elles sont très très bonnes celles-là. J'ai repris des dés de jambon pour mettre dans la salade. Ils sont très très bien aussi. Ensuite j'ai pris une salade. J'ai pris une pâte feuilletée pour la tarte aux légumes. J'ai pris en yaourt, je me suis repris des yaourts à la cerise. Il me reste des fromages blancs, donc des yaourts à la cerise. J'ai pris des crèmes caramel pour le chat. Voilà. Et j'avais pris des compotes sans sucre ajouté. Il n'y en avait plus. Alors eux, en fait, ils m'ont mis des compotes nature. Voilà. Donc il y a du sucre dedans. Je ne sais pas si je vais les aimer. Ma foi, il faudra bien les manger parce qu'ils m'en ont mis deux barquettes. Voilà. C'est vrai. Enfin, là, ce coup-ci, j'en ai vraiment eu marre du drive. Vraiment, ils m'ont gonflé. J'avais acheté une promotion d'eau badois. Vous savez, j'avais acheté le sirop Morito il y a 15 jours. Ouais, il y a 15 jours, c'est la semaine dernière, je sais plus, bref. Et il me restait une bouteille de badois, donc je l'ai bu avec. On l'a fini, il n'y en a plus. Donc du coup, j'en ai racheté. Donc le pack, enfin le chat me ramène les courses. Et je regarde en fait le samedi matin, je regarde la date sur l'eau. Parce que je dis au chat, je pensais que c'était juste des lots de 3 bouteilles. Voilà, je pensais pas en avoir du coup 18 quoi. Voilà, parce que j'avais pris 3 packs, c'était une promotion, 3 pour le prix de 2. Voilà. Et je regarde la date parce qu'il me dit, oh, ça va loin. Et en fait, c'était périmé du 2 mai, je crois, 2019. Génial. Même si je suppose que l'eau ne se périme pas. Mais donc du coup, le chat les a repris et il va les ramener lundi midi. Mais voilà quoi, ça plus les compotes, c'est bon, c'est la totale quoi. Ils m'ont gonflé et ça, enfin, je trouve que ça ne se fait pas dans des choses périmées. Voilà. Tout simplement. Donc, ça c'était pour le frais. Ensuite, en pas frais, j'ai refait le plein de gâteaux. Donc, j'ai pris des madeleines en sachet comme ça, individuel. Ça c'est plutôt cool.
D'ailleurs, j'ai déjà ouvert le paquet. Hein. Donc ça, c'est cool. Ça va être pour les goûter. J'ai pris des briochettes comme ça pour faire les brioches au thon. Donc je pense que c'est une recette que... Enfin, j'ai déjà entendu ça dans un retour de course. Je ne sais plus de qui. Et en fait, je pense que je vais mélanger du thon avec de la mayo et mettre dans des petites briochettes. Je pense que ce sera très très bon. Ensuite, en gâteau, j'ai pris, ça faisait très longtemps que j'en avais envie, donc du coup j'ai dit allez hop, on se fait plaisir, des cakes aux fruits comme ceci. C'est très très bon, j'aime beaucoup ça. Et pour finir, j'ai pris des marbrés au chocolat. Voilà. Ça c'était pour les gâteaux. Ensuite j'ai repris des tortillas comme ça de blé pour faire les la tortilla calzone, voilà. J'ai repris du riz basmati, celui-là il est très 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 bon, donc du coup je l'ai repris. Et j'ai pris des noix, voilà, des cernes de noix pour aller dans ma salade, pour que je dise au chat qui me ramène des endives. Et j'ai repris des canettes de coca tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour ce petit retour de course qui n'aura pas duré très 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 longtemps. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Et je vous dis surtout à lundi pour un prochain retour de course. Bisous. Et qui sera un petit peu exceptionnel puisque ce ne sera pas... alors je ne sais pas où c'est que je le tournerai. Peut-être à la maison, peut-être pas. Mais ce sera le retour de course pour les vacances. Du coup il sera un petit peu spécial, il y aura des choses qu'on ne prend jamais. Enfin quasiment jamais, donc voilà. Sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous.